le stationnaire offshore modéré, rebonjour à toutes et à tous. On voit une série assez copieuse qui se présente ce midi. On a un temps ensoleillé, quelques voiles nuageux, une température extérieure à 11-12 degrés, une température de l'eau à 13 degrés, une marée qui est en train de monter, le plein est à 16h30, coefficient 77. Le vent est sud-est, de Beaufort. Peut-être des rafales à 3 des fois, le plan d'eau est propre. Et on a cette grosse houle longue orientée ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest, 14 secondes de période, stationnaire en taille, déferlement régulier à 2,50, série régulière à 3 mètres. Il y a les grosses 7 comme la deuxième qu'on va voir juste après qui tombe à 4 mètres. Voilà, on voit la lèvre qui tombe au ralenti. Quand ça tombe au ralenti, ça veut dire que c'est plutôt fat. Personne à l'eau, les phases de vagues sont lisses. Bon, c'est massif, c'est impraticable sur la cano. Regardez celle-là. À table. Direction. Les spots de repli. Évolution pour le reste de la journée, donc stationnaire à la mi-journée. Cette houle va grossir un peu en soirée, même si la bouée Arcachon n'est pas à la hausse encore pour le moment. Elle est relevée à 3,70 et 9 secondes à la baisse. Mais la bouée Brest est à la hausse depuis ce matin. Une houle longue qui met 12 heures à passer de Brest jusqu'à chez nous. Elle est relevée, la bouée Brest, maintenant à 6,41 mètres secondes. On attend à 13h03 à 4 mètres, houle ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest, 14 secondes de période, vent de sud-est à 2-3 Beaufort. Et à 17h, un 4 mètres un peu plus établi, houle ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest, 15 secondes de période, vent de sud-est de 3 Beaufort. Allons tous sur les spots de repli. Je vous retrouve demain matin à 7h45 pour le prochain bulletin. Merci.